Allora, riprendiamo quindi i nostri lavori. Invitiamo le persone, anche coloro che stanno nella seconda e terza sala, tranne chi è addetto lì ai libri e alle iscrizioni, a venire qui davanti per sentire le relazioni, no? Che verranno fatte. Allora, adesso siamo quindi al nostro amico Michael Baumgartner, che abita a Berna e quindi svolge un'attività relativa ai diritti che la Rivoluzione francese chiama dell'uomo, ma insomma noi possiamo dire anche del cittadino, anche dell'altro che non sia rappresentabile. Allora, e quindi siamo contenti di avviare con lui questa collaborazione, è la prima volta, e ce ne saranno altre 1000, poi ancora 1000 e poi ancora 1000, per il momento 3000. Prego. Buongiorno. That was, I just exhausted my Italian, so I hope the translator can tell you this. Ich möchte mich auch ganz herzlich begrüßen zu dieser Nachmittag-Präsentation von IFAS. And that was my mother tongue, Swiss German, and it meant I welcome you all to this afternoon presentation of the International Forum for Accessible Science. I would like first to thank Professor Bettiglione for inviting IFAS on very short notice. We've been alerted to this great opportunity to meet people like yourself and be here, and we gladly accepted. There was a lot of very stimulating input previously, and I could see myself going off on many different topics. However, I'm going to simply introduce to you the International Forum for Accessible Science, which is the organization that I work with. I would like to dedicate this afternoon's presentation to the late Professor Alfred Hassig, who was one of the great inspirations for IFAS and was Professor Emerit of Immunology of the University of Bern, and who passed on 10 days ago. So Alfred, this one's for you. I already introduced myself. My name is Michael Baumgartner. Pardon, qual è, piano piano, per in modo che consentire la traduzione. Qual è il numero uno? Numero uno? Ah, ecco. Allora, piano piano, per consentire la traduzione. Piano, piano. Okay. Doucement, doucement. Mm-hmm. I have a lot to say, so I tend to speak very fast, but I'll be as slow as I can. I'm Secretary General of the International Forum for Accessible Science, which is an educational human rights organization in the field of science and health. I will tell you a little bit about the background, but first let me ask, how many medical doctors are sitting in the audience? Could you please raise your hands and identify yourself as such? One. Two. Okay. How many former or current patients are sitting in the audience? Could you please identify yourself? Patients, clients to the medical establishment of some sort or another. Could you please identify yourself? Only two? Come on. There must be more people who encounter the medical establishment. Le spiego. In Italia non ci sono pazienti. Gli italiani sono tutti impazienti. Thank you. Okay. Very good point. Thank you. Usually, I think we all can relate to this exercise. While it takes a lot of work to become a medical doctor, it doesn't take much to encounter a medical doctor. What IFAS does
is of particular interest to people who, in one way or another, encountered a medical system at some stage. Hence, what IFAS does is actually of importance to all of us. I have very big notes for me. Usually there I put them on an overhead projector, but I'll use them as my own personal notes, but tell you what's on them. I would like to start my presentation with a quote from Albert Einstein, which says, "No amount of experimentation can ever prove me right. A single experiment can prove me wrong." This is particularly important in research and in modern research, where billions of dollars are invested to verify hypotheses. Hypothesis meaning ideas of germ-causing disease, for example. When, as a matter of fact, one could simply try, once one has a hypothesis, to falsify such. And if that's possible, then one should abandon the hypothesis. Now, we all know that medical science has not done that, and therefore got it terribly wrong a couple of times. I would like to mention a few diseases where actually medical science went terribly wrong and could, according to the literature, could have known better. One is scurvy in the 18th century, a disease of mal and undernourishment, but was said to be caused by a microbe. The next one is beriberi, in the 19th century mainly. Again, vitamin deficiency, nourishment related, attributed to a not identified microbe, said to be contagious. Pellagra, until the 20th century. Again, a deficiency disease, wrongly attributed to a microbe. So we'll talk a little bit about microbes at the end, and to understand more about what they are or maybe aren't. A more recent example, SMON in Japan. Most likely, most of you here have never heard of that. SMON was a disease mostly affecting young people, very early on considered to be contagious, when as a matter of fact, it was intoxication by a drug, a medically prescribed drug, killing thousands of people and damaging thousands of people. As a matter of fact, even when it was known that it was caused by a drug, a hypothesized virus made its way in textbooks as the cause of SMON. There was no scientific proof for that. More recently, even cancer, once said to be transmissible, said to be caused by a virus or a retrovirus for that matter, even claimed in early days to be sexually transmitted, even in early days claimed to be originating in the gay community. Haven't we heard this very recently of another disease, which I'm going to talk about, AIDS? There are current conditions or labels floating around, one I just mentioned, which is AIDS, also claimed to be caused by an infectious, highly infectious, some say not very infectious, but still infectious agent. We just learned from my colleague Hugh Christie that most likely not caused by an infectious agent at all. One would then have to ask, what is AIDS anyhow, because it very much relies on its connections to HIV. But there are already new conditions growing out of an ever-growing medical industry, hepatitis C, again, caused or considered a virus to be the cause of potential liver cancer in maybe 20 or 30 years from now, equally ill-identified. BSC, another condition to be mentioned. My colleague Klaus Koenlein will be able to tell you much more about these very significant
possibly very damaging wrongdoings of the medical establishment and what's behind it. I just would like to mention them because out of these medical, let's call them medical disasters, IFAS was born. IFAS was basically originating out of what is called the AIDS dissident movement. People who would just stubbornly refuse to buy into that a retrovirus, not even properly isolated, is supposed to cause 29 old diseases, including immune breakdown, and antibodies all of a sudden are supposed to be indication of a premature death. Why then having vaccinations all over the place? Vaccinations produce antibodies. So we realized very early on that even if science gets it wrong, this is not just like any other industry. It really harms when science, medical science, gets it wrong. And from the knowledge that, from the history, we've learned that it takes sometimes 100 to 200 years for the medical science to realize and admit that it was wrong, and therefore treatment approaches to change. Meanwhile, thousands of people are at risk of being iatrogenically, meaning medically induced, put to death. Other word would be killed. So we realized what actually is going on here is a tremendous and immediate threat to life. And now I'm using a human rights term from the International, for the Universal Declaration of Human Rights, the right to life. Already in 1993, myself and other colleagues alerted the international community in Geneva at the Human Rights Commission about the dangers of drugs that were released prematurely and on a possibly false hypothesis, such as the drug called AZT. In 1997, colleagues of mine, we got together and realized that maybe what we need is a new organization to put the fruits of fraudulent science in a perspective of international declared human rights. So IFAS was funded. AIDS is still our main mission, however, we've already been approached by other scientists and people affected by other conditions to please also raise and address these issues on national and international levels. When I said science, medical science got it wrong, what does that actually mean? We've identified, and I'm using the example of HIV and AIDS, three levels that can go or be wrong. And as for HIV and AIDS, it qualifies for all three levels. It means it's actually wrong, according to independent scientists, not industry-funded scientists, on all of these three levels. Number one, that the alleged cause of any disease is insufficiently identified. In the case of HIV, according to independent research and to what Hugh Christie elaborated on earlier on, it hasn't been isolated. And a particularly interesting detail is it hasn't been isolated by the very standards set out by the institute who fathered HIV, the Pasteur Institute. They declared what it means to isolate the retrovirus. 10 years before, they launched a virus that they have actually not identified using this very protocol. One should think with the technique and the technical possibilities evolving so quickly, it should be an easy thing to do 10 years later. Number two, that the disease mechanisms are insufficiently explained. We had, on one hand, a new, or we were made believe there's a new retrovirus, which maybe is there. So far, we are very reluctant. We say, well, it hasn't been identified. Maybe it's out there. I doubt it, but anyway. And then there's a condition called AIDS. How are they related? Now, in order to say something is the cause of something, one has to prove and show causal effect. How does HIV cause AIDS? For that matter, how does it destroy the immune system? That
paper as well is also missing. And believe you me, we have searched for that paper. We went to the World Health Organization, we have approached Montagnier, we've approached Gallo, and we've approached the CDC. And they all pushed around, go and ask the other one for the proof that HIV actually does cause AIDS. So cause was not sufficiently proven either. And the third level of medical wrongdoing is, hence, treatment approaches that are wrong. Now, if there is no germ that can be identified, fighting that germ with very toxic substances will automatically, sooner or later, lead to death. And if one doesn't understand the mechanisms by which any germ causes the disease, well, how do you want to create a sufficient treatment? We had at the United Nations, we hosted a seminar on this issue, and there was one gentleman from UNAIDS standing up and said, well, it doesn't matter what causes AIDS. Why bothering about that? We must do something. And I was glad that there were people in the audience kind of countering him, saying, well, if you don't know what causes it, how do you want to do something? We then, in IFAS, went on identifying the fields of risk in modern medical science. And what we found out, again, we identified three different fields. One was pharmaceuticals, guess. You know, the fruits of modern industry, pharmaceutical products, drugs. Number two, research. And I will address each of them a little more detailed. And number three, also a risk to modern medical establishment, courage and how it's handled. Watch out for pharmaceuticals. Pharmaceuticals can be helpful. There's no question that most of the treatments, including natural treatments, can have what's called adverse or toxic effects. The goal is to, with pharmaceuticals, to minimize the adverse and negative effects and maximize, while maximizing, the positive effects. Well, if treatment is insufficiently researched or tested, one doesn't, which, for example, many cancer treatments, but also AIDS treatments, for that matter, but also human insulin in diabetes, was insufficiently researched before it was very heavily and aggressively marketed. Then treatments that are too toxic. AZT was mentioned earlier. It was abandoned because it was too toxic in its initial disease, which was cancer, which, oddly enough, is considered an overproduction of unhealthy cells. Now, AIDS is premature cell death. That's what we're made believe. Why then giving a drug that, you know, kills cells when they're dying by themselves? And then pharmaceuticals can simply be useless when we actually do not know what they do, and they might or might not have an effect, but it's not proven that they actually do have an effect. But there's also another level which has only indirectly to do with the treatment, and that is the increasing risk of mandatory treatment. More and more we realize how industry, through lobbying, influences policy and decision makers to make their products on health bills or cost of insurance mandatory. There are very recent cases where that first happened in the case of children, where parents no longer had a right to refuse a treatment on behalf of their child. They used the rights of the child as an excuse to come to the conclusion that they would proceed treatments against the parent's will. I will not indulge on these issues, but just to point them out. However, there are also cases where adults already are forced on treatment. For example, in my country, people who were former drug addicts and would like to enroll in a drug program cannot enroll in that drug program if they do not take AIDS drugs, if they're HIV positive.
watch out for research. And where do I have it? Here. I think we can, well, most of us think, or I at least, to be honest, have thought that, you know, sure, research is a clear-cut thing. They, you know, they do a study, they find out what's going on, and then based on that, they come to a conclusion. But, oh boy, was I wrong. It can be that way. But in increasing number, and particularly in the field of HIV and AIDS, but I would not think that that's the only field, we are confronted with policies made or decisions taken based on insufficient research. The group studied was too small, for example, or there were no control groups when it comes to treatments. Then we are also confronted with misleading research. Increasingly so in HIV and AIDS. What does misleading research actually mean? They come up with a test to identify a virus in the blood. The test has already been introduced by my colleague Hugh Christie, PCR test. Now, artificially so, it can be done. It needs a virus, an isolation, which we don't have at this stage, to identify the genetic structure, to be sure that what we actually say, that fragment of DNA or RNA is of the virus. So they create a test, and then they create another test. They use the same test to talk about what they call already disease, which is a high viral load, lots of virus in the blood, so they say. Also, they test for cells, CD4 cells, and when they're low, people are said to be ill. High viral load, low CD4, they're ill. The problem with that is that I, and I'm sure possibly Klaus Könlein as well, and a lot of other colleagues have encountered a lot of people with a low CD4 count, T-cell count. They were perfectly healthy. As a matter of fact, these tests and the conclusions do not correlate with actual clinical condition. So saying somebody is ill simply on their blood work, if it doesn't match their actual being, how they are, might be very misleading. Then there is fraudulent research, which includes, according to the editor of the British Medical Journal, even fabrication of medical research. Simply made up. Now, what do people face who actually, as scientists, well qualified, are aware of these wrongdoings and wrongdoings and speak up? Well, I think we all owe them a great deal, but, you know, the medical establishment has its ways to punish. I would also mention in an old, from the 17th century, a gentleman called William Harvey, he didn't speak up against the paradigm, he simply observed blood circulation. And when he came up with the concept of blood circulation, which today seems a piece of cake, and because it's such a reality, he was outcast. There was no such thing as blood circulation. And it took over 20 years to accept that simple fact. We have another gentleman, Kilmer McCulley, a scientist who was fired from Harvard very recently in the 70s of this century because he challenged the paradigm whereby cholesterol, I don't know the Italian word for that, is the cause of heart disease. And he actually said, you know, all these dietary advices we've been given might be a load of rubbish proposed by the food industry. He was fired, he lost his job. Today, his hypothesis is acknowledged as having something to do with heart disease. And very recently, names have been mentioned, Eleni Papadopoulos, Peter Duisberg, for speaking up that it's, even if HIV were a retrovirus, it can't cause AIDS. And HIV has not been isolated. We should not talk about the retrovirus if it doesn't fulfill the criteria of a retrovirus. They were not honored. Again, they were punished and ignored. The different ways of ignoring or silencing scientists. Books have been written about that. I'm not going to indulge in that.
So, what does IFAS actually do in its pursuit to challenge what we perceive as dangerous medical science? We work on different levels. One is we work for the public, meaning we work in the interest of everybody. We do that by lobbying for, wow, didn't know that it's that dark, thank you, the right to self-determination in medicine. I've already addressed the fact that there is an increasing number of cases where we encounter forced treatment. We counter that. This is violating several of the universally declared human rights, and in countries where there are constitutions, in most cases it probably will also violate the constitution. We also argue in favor of the equality of different directions in medicine. What happens very fast these days is, via or with the help of the pharmaceutical industry, just one medical schooling is establishing itself as a power, a major power and a major dominant in medical science. Now, when we talk about free market, I think that's not acceptable. People should have a choice. If they want to have homeopathy, if they want to have no treatment or whatever, it should be their right. They should not be forced to have a treatment against their will. What good will the treatment do if it's forced on a person anyway? And we also are strongly in favor of local, affordable, and renewable treatments. That is particularly of interest to so-called economically underdeveloped parts of the world, where the pharmaceutical industry, without us actually knowing, splits the world in areas where only one pharmaceutical giant can go in and sell their product. If they don't have a product, say, against heart disease, bad luck for these countries. They don't ask consumers, they go via subsidized programs through the World Bank, for example, directly to governments. What happens is an immense dependency on their products, when as a matter of fact, for their diseases, and the study group of nutrition in Switzerland, Professor Albert Hasek once said, there are no new diseases, they're just reoccurring diseases, which I'm going to address, hopefully I'll have time, briefly, that's obviously not good enough for an ever-growing industry. I will not read the IFAS mission statement. There are flyers, however, in the back on the table in English about IFAS that you can have copies of, where our mission statement and the contact addresses, and in a nutshell, the issues that I've raised here are addressed. What are our goals as an international organization? Main goal is help affected people. People who all of a sudden find themselves either frightened to death from a new label or in a terrible clinical state and suddenly face not a doctor but an industry. Generate consciousness with opinion leaders and policymakers. We can talk as much as we want. Decisions are made every day. They're not generally to the well-being of us. They happen to be most likely in the well-being of big people or big companies who can afford to convince politicians that if they decide on their behalf, it's in their best interest. That's called lobbying. And one of the things I certainly learned at the United Nations is decisions are not made in the big hall. They're made into small rooms outside. So we focus very directly on opinion leaders, and we have our own strategy developed that seems to work quite well, to let them know that maybe things are not at all as simply explained as they learn through popular media via press release from the industry. And then we also inform the public in general, those who are interested. We, in terms of HIV and AIDS, in terms of information, what we do is we ask different independent experts to summarize a particular field. We
we asked a team of experts already mentioned in Australia, in Perth, Australia, to look into, has HIV actually been isolated? We asked other experts to look into the field of the three different fields I already addressed. In questo momento non si sente nulla nella traduzione. Forse sta parlando lontano dal microfono. No? Adesso sì, adesso sì. Sì, però si è allontanata prima dal microfono. Grazie. Shall I continue? Okay. To look into all aspects of an alleged condition or label. We're actually now, this is the second edition. Oops. We're going to look into our third edition, and we actually are planning to publish this manual as a book, summarizing different scientific important research on a particular topic. This one is on HIV and AIDS, but also addressing its implications, the findings that, and the implications on human rights, and how people who are actually personally and directly affected by it best manage or handle their situation. How do we work with affected people? One of the things that I certainly encounter, and I myself have been working in the field of AIDS off and on for 13, almost 14 years now, and I have worked at San Francisco General Hospital as an AIDS chaplain, is that people are, first of all, traumatized by the label. I call it the label because it certainly, for me, doesn't qualify as a diagnosis. You get the label AIDS or HIV positive, or cancer or hepatitis C, people are panicked. And they're going to make decisions out of fear, and that's not healthy. While fear is a normal response to something that puts your life at immediate risk, it certainly isn't a safe position to make decisions that can actually protect, potentially save, or potentially harm your life. So IFAS conducts workshops for people who are affected. In this particular case, people are affected by HIV and AIDS, to cope with fear, but also give them a full range of information that they normally don't get via their doctor or the mass media. We also lobby, as I mentioned, on behalf of them in the interest for self-determination in medical treatments. And this is important because most countries have ratified the World Medical Association Declaration on rights of the patient. A lot of people don't know that they have rights when they're patients. We're certainly often not talked about it. I welcome, therefore, the decision in this country that people sign an informed consent form. I would like to see the form first. I have seen many I consider insufficient, but I think that's a step forward, unfortunately, but it's a step forward in the right direction, where people are hopefully informed about consequences and other possibilities. And then we also train and educate people about self-responsibility. IFAS and science, at the end of the day, we can, yes, what does science mean? However, IFAS does very pragmatically work with people in the scientific establishment. What we do is we evaluate basic science, which is, as an independent organization, looking into whether or not this hypothesis or that hypothesis is actually right. Increasingly, research is no longer independent.
So how do we know, when we know already that, you know, there are even scientists who make up data, that research that can be tremendously influential for us, if that's actually correct? So that's something that IFAS focuses on. I will later on tell how we do this. We also argue in favor of quality control measures in science. We could have workshops and seminars on this issue. I just summarize it as quality control measures in science. And as I already mentioned, lobby for different directions and try to bring together scientists from different fields, in this case, or in particular, different medical fields, to talk to each other. Increasingly, from the United States comes to Europe this notion of specialization. We have a specialist for the knee or the toe or whatever. But increasingly, doctors know less and less about the whole human being. So we specialize to the extent that for every symptom, if one wants to call it that way, you have to run to another person in order for it to be dealt with. And IFAS then also works in the interest of the public, as I mentioned. There are four dimensions of science that I would like to address here that hardly are ever issued or addressed and that are tremendously important because, again, medical science influences all of us directly or indirectly and will in the future. Number one, who controls medical science? It's increasingly controlled by industries who can or cannot make use of it. But who actually controls data that comes out of research? I give you an example. There was a study challenging the administration of AZT to asymptomatic people. It was conducted by the manufacturer of that drug, AZT. Its final data is still not released. I think it's 5 years after, or about 3 or 4 years after, the study has been finalized and press statements were released. So who has the right to withhold scientific data that might be crucial to the shaping of a public opinion? Who uncovers? I already addressed the fact that there are many ways by which science can go wrong. Well, who uncovers that? You know, I've once been told by an eminent scientist in Switzerland, who I have to admit, I won't mention the name, but I can't highly respect for the fact that he says, well, science always corrects itself. Well, just a look into the history of medicine tells you otherwise. So I think, or we think at IFAS, it's important that there are organizations who put the finger on inaccuracies in science and won't take the finger away and will make noise until these issues are addressed. Who is responsible? Who is responsible if all national health insurance, you buy AZT, you get AZT, it kills you, the family finds out it kills you, or a drug doesn't kill you but it damages you, and then you're so angry and you want to go for litigation? Where do you go? The pharmaceuticals say, well, hey, it's on national insurance, that's not our problem. It's the government's problem. Why did they take it on national health insurance? And the national health insurance will tell you, well, excuse me, it's based on their data. It goes on and on and on. It's actually not a clear cut. Who is responsible? A very current case is breastfeeding, which brings us to the food industry, where the World Health Organization actually plans to buy breastfeeding substitutes, which I think is a ridiculous word. I don't think there's a substitute for breastfeeding, but anyway, industry products, and remove the label from the manufacturer, put a World Health Organization label on, and sell it in the world, all over the world. Now, if these products are bad products, which occasionally they are, people are damaged with those products or by those products. Who then is responsible? Well, in this case, it would be the World Health Organization. Are they aware of that? It's when it's the World Health Organization. Who is it? It's our governments that are part of the World Health Organization. Governments that supposedly are elected by people. It's us. And the industry is leaning back and saying, too bad. And finally,
who decides? I'm not sure if I wasn't aware of this, and I find it very interesting that even today you can have a certain symptom. Let's say you have a bad tummy, and you go to the doctor in France, and he'll say this is caused by your liver and gives you some liver treatment, for example. You go with the same symptoms to your to a doctor in Germany, and the German doctor will, based on the tradition, say, oh, this is a stomach problem, we'll treat your stomach. Or you can go to the United States with the same symptoms. Oh, you have an infection, we'll give you antibiotics. For the same symptoms, you can not only get different names, but then also, obviously, different treatments. Now, that might not be a problem. There's a very interesting book was written by an American about this. It doesn't mean that in one country people die more of a certain condition. They might just die more of the label, because certain labels are more used in other cultures, in different cultures. But we're talking about a global village. Increasingly, the world becomes one. Well, who at the end of the day has the right to say, forget your way of diagnosing, forget your label. Our label is what really causes this condition, and we say what the treatment has to be. Who decides? All of these four identified problems are issues that need to be addressed, and we, the public, have to come to terms with them, because governments and certainly the industry will handle them at their convenience, which might not be at our convenience. Okay, I would like to come to a closure by simply pointing out some technical things about IFAS after having identified what we do and why IFAS is very much needed. And let me tell you, at the largest international registration bodies for non-government organization, the United Nations, we could not find one organization that is concerned with the same issues. We are an international organization because we have an international scientific advisory board. Scientists who have proven in the past that they have the courage to speak out, and scientists who are not employed by the industry qualify for that scientific advisory board. We have an international network of affiliates, members, and associates. And we have international activities and projects. Currently, we were involved in a project in the Ukraine that was already mentioned previously. And we're planning funded through the European community, which maybe even Italy can become a part of, and not the European Union, I shouldn't say that, I'm Swiss, but the project, and we have a project planned in Africa. We are an educational organization because one of the things we realized is that often the biggest problem we counter is ignorance, not knowing. Sometimes it's also mixed with don't want to know. But a lot of people don't know that science isn't all that clear. A lot of people don't know that they have rights when they have to or are approached by the medical industry or go to the doctor. And we educate about the rights as patients and the way to use to enforce those rights. When we talk about human rights, it is obviously in our particular field, a very narrow field of human rights that IFAS works with. And they're mostly related to patient rights. However, what we address most at the United Nations is basic, the right to life, which is Article 3, and the right to not be subject to torture and inhumane, degrading treatment, which we think, being unknowingly part as a guinea pig in some research project that you don't even know that it's actually that drugs that are insufficiently researched are used on you, you are actually put through degrading and inhumane treatment, which is Article 5 of the Universal Declaration of the Human Rights. And IFAS also challenges violations. While we don't do that on a national basis, when cases like a current case in England where the parents were refused the right to decide for their child in order whether or not it should have undergo what's called HIV test. They were declined the right by the national government. IFAS has offered to take that case to the European Court of Human Rights. So we do not necessarily also, we support national cases through our expertise,
We are then one of the organizations who addresses it at an international level. The organization itself is Swiss-based, under Swiss jurisdiction. It is now a tax-exempt charity under Swiss law, and we're planning a foundation in Switzerland, an international foundation. And we have an anti-discrimination policy because we realize that there are a lot of reasons to challenge. And sometimes it's moral issues. And IFAS doesn't function on a moral basis. We think it doesn't matter where somebody is darker or white skin or whatever culture or hetero, homosexual or whatever sexual. We have rights when it comes to the medical and scientific establishment. I already explained what we do, what we understand and what we offer in the field of science. Let me just elaborate a little bit on health, since we've mentioned that quite often today, or it has been mentioned. Health for me is an abstract name. What does health mean? I like Professor Vettiglione's description as means and tools for what? I would say means and tools for personal well-being. And that's something very individual. Health today is more and more created, not at last, well, also by because of the industry's interest, as a concept that is the same now and in the future. Meaning, in order to stay healthy, to be healthy in 30 years, you have to take certain products now, such as interferon, for example, when you're labeled hepatitis C positive, because otherwise you could develop cancer of the liver in 20 or 30 years. I think, I'm not going to talk about preventive medicine, it has already been addressed, I think it's a quite dangerous concept. We argue when it comes to health, not first and foremost, that people should have access to health. What does that mean? But we argue in favor of information, unbiased and accessible information to make a decision that whereby a person is comfortable with the decision. And that can be very, very different. Different people, it can be different things. But we have to know what the interest is behind a certain study in order to trust that study. So access to unbiased information is important to us. Freedom of choice in healthcare, increasingly an issue, as I said. Of course, access to healthcare. What is AZT good and artificial feeding in countries where they have not even basic sanitations? And as we said, affordable, resource-oriented, local, and preferably natural treatments. There are many, sometimes one needs to just find them. Okay, I skip the other slides. I could go on for a long time. I hope you've had an understanding of what IFAS is and does. Otherwise, I'll be here until Sunday. There are the leaflets. And maybe something also about our funding. We do rely on donations, because we do not like being funded through one channel, and this channel, for example, to be the pharmaceutical industry. As a lobbying organization, we also learned that fundraising is sometimes a bit difficult because we have to educate people that lobbying, although you might not see an immediate outcome, is very important. The industry has certainly learned so and uses it quite effectively, and we think we can do that too. I would like to close my presentation, and then I'm open for questions, with a poem, since I've learned that there are also poets attending this seminars like this. I think this is a good closure. And it's a poem about, guess what? The microbe. So finally, we'll talk about the microbe. Let me see if I can. The microbe is so very small. You cannot make him out at all. But many good people hope to see him through a microscope. His jointed tongue that lies beneath 100 curious rows of teeth. His 7 tufted tails with lots of lovely pink and purple spots.
on each of which a pattern stands, composed of 40 separate bands. His eyebrow of a tender green. All of this has never been seen. But scientists who ought to know assure us that that it must be so. Oh, let us never, never doubt what nobody is sure about. Thank you. Io e Cristi vuole fare qualche notazione a questo punto? Vous voulez faire quelques remarques juste maintenant? Alors, venez. Talk. I may say, I know Michael's work well and have known it for quite a few years now, and working in another country, England, also with often people directly affected by the results of a medical carelessness, it's clear to me that IFAS has got an awful lot of work ahead of it, and I'm very glad that IFAS is there to get on and do that work. I just wanted to mention, apropos this poem, The Microbe, I think it's quite an old poem, isn't it? It's a very old poem. As a matter of fact, it's from the 18th century. It's so, still so the 1800s, today? From the 19th century. So it's a very old poem. 100 years ago, people were warning us that there would be the invocation of microscopic identities, and we should be skeptical about it. I just wanted to mention what I understand about what a retrovirus is, because this morning and indeed this afternoon, in terms of HIV and AIDS at least, we're hearing this term retrovirus. If anyone has more knowledge about this than I do, please feel free in a minute to add to it. But it's a virus is a package of genetic material contained inside structural proteins. Inside there also are some enzymes. This is the theory of a virus. And the conventional virus, the genetic material is DNA, deoxyribonucleic acid. And a retrovirus is said to have its genetic material made of RNA. Ribonucleic acid. And the reason that it's called a retrovirus is because in the 1970s, so not very long ago, in the 1970s, for the first time, scientists detected a different direction of motion in the activity of the genetic material. Until then, since the discoveries of Crick and Watson, had brought to light the probable structure of a genetic material, DNA, double helix spiral, it was thought that there was a direction to this activity at the molecular level that went DNA becomes RNA, which instructs the formation of proteins. One, two, three, DNA, RNA, proteins. And this was the conventional wisdom. This was the consciousness. And in the 1970s, there were examples, it was detected, that there were instances when RNA was being translated into DNA. And this, for example, the cell genome is DNA, and RNA was being integrated into the cell genome. And this was thought then to be going backwards. Retro, okay? And the first explanation for this was that there must be some peculiar pathological conditions under which this would happen. And because there were some enzymes and some proteins associated in the
culture and study conditions where this was observed, it was theorized that there would be a virus, a backwards virus, a virus whose genetic material was traveling backwards, and hence this retro business. So it's important to know there's an enzyme supposed to be associated with this called reverse transcriptase. Okay, and reverse transcriptase is the enzyme which is supposed to allow this newly perceived backwards direction of genetic travel to happen. And I just want to make the point that this has also been found in some studies by Chinese scientists on yeast to be part of a healing mechanism. If they damage the chromosomes of yeast and observe, as the repair process of the chromosomes occurs, they detect also this enzyme, reverse transcriptase. They detect the backwards travel of RNA to DNA as part of the healing mechanism. So on the one hand, you have evidence that the indirect markers that are used to describe a pathological virus, a pathological situation, are viral. And on the other hand, you have evidence that they are part of a healing process. And when these DNA blockers and these reverse transcriptase blockers are used in an attempt to provide therapy, they may well be interrupting what is actually a natural healing process. So that was it. Retroviruses, mid-1970s, thought to be an example of genetic material going backwards. I think everyone here would accept. It really just it depends which direction you discover first, probably, as to which one seems to be going forward and which one seems to be going backwards. And the story of genetics is probably going to move forward to what they call co-polymerization, which is movements in all sorts of directions of genetic material. Genetic material is not stable in the way that was first proposed. Barbara McClintock eventually got the Nobel Prize for talking about jumping genes. For 20 years, she was laughed at for saying that sections of genetic material could hop from one place to another, even in some cases hop between species, the sorts of things that are now talked about in terms of genetic food and so forth as being quite a risk. For 20 years, she was ridiculed, now it's quite accepted that the genome is not as stable as was once thought. Backwards, forwards, perhaps it doesn't matter. And in the light of this, to believe that a retrovirus actually existed, the only that you would absolutely have to have purified examples of such particles. And as we discussed this morning, these examples of actual viruses, actual retroviruses, do not exist. No papers have been published. The work is not possible. Thank you. There are. Any questions about our work or IFAS? Well, I'm sitting up front here. I don't intend to always be sitting here, so I encourage you to ask. Yeah, I have a question. Is there IFAS literature available in Italian language? No. Maybe that will be our leaflet so far in English and German, because that's the two languages we function in, but maybe there will be in the future IFAS literature available in Italian. We certainly hope so. Bene. Thank you. C'è qualche domanda ulteriore a Baumgartner oppure a Christie? Allora, noi siamo qui con Lucien Sfez, di cui abbiamo parlato questa mattina, che abbiamo presentato il volume, abbiamo anche letto brani della prefazione, introduzione all'edizione italiana, 1, 2, 3, che sono molto interessanti,
E anche il libro è straordinario, quindi si impone. Abbiamo notato come anche il professor Fox fosse molto, quindi molto interessato, no? Adesso ecco qui Lucien Sfez, quindi autore di questo libro. Del resto ci aveva già parlato, no? Nel 98, e noi abbiamo pubblicato nella nostra rivista la sua conferenza, no? Qui a Milano. Ora siamo felici che sia venuto, quindi questo libro sarà da noi molto pubblicizzato, quindi questo è il primo avvenimento. Noi inviteremo anche Lucien Sfez per fine gennaio, quando c'è l'altro congresso pure sulla cura del cancro. Ecco, e intanto quindi gli passiamo la parola. Lui farà adesso 20 minuti oggi e 20 minuti domani, in modo che possiamo discutere per tutto il congresso, insomma, di questo contributo. Questo è il libro, tra l'altro una bella edizione, perché ha anche dei caratteri che si possono leggere, mentre in francese è tutto molto rimpicciolito, quindi bisogna mettere una lente per leggerlo, no? Quindi è molto bello. Vi ho detto anche che fra l'altro è molto accessibile. C'è stato anche uno sforzo di traduzione, quindi è reso veramente accessibile, e tutti i brani sono stati tutti controllati, una cura filologica speciale, quindi insomma noi siamo contenti di averlo pubblicato e siamo contenti di avere qui l'autore del libro, quindi a parlarne. Abbiamo invitato a parlarne in questo congresso che si intitola La Sanità. Allora, dove siamo arrivati e dove andiamo? Abbiamo detto già che in francese La Santé, ma che in italiano è La Sanità e la Salute. Sanitas atque salus, no? Come, oppure sanus atque salvus, sano e salvo, no? Ecco, allora adesso passiamo la parola, no? Al professor Lucien Sfez, quindi per i primi 20 minuti, gli altri 20 saranno domani, quindi in modo che anche domani, quando vengono altri partecipanti, no? Man mano il pubblico crescerà, gli passeremo di nuovo la parola. Prego. Chiaro che parla in francese, quindi la traduzione è dal francese all'italiano o oppure in inglese. Quindi può essere seguito in francese, in italiano o in inglese. Prego. Cher ami, je dis pour commencer, cher ami Armando Verdiglione, dont je suis les travaux depuis, on peut dire, au moins 18 ans, et qui suit le mien depuis quelques années également. Je veux d'abord le remercier pour ce livre. C'est toujours un moment de joie, parce que on pourrait croire qu'une traduction, c'est une petite chose, pas du tout. Une traduction, c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance, et sans laquelle, d'ailleurs, ce livre n'existerait pas dans ce pays, et pour des millions de gens, même si ce ne seront jamais des millions qui le liront, peut-être que des millions entendront parler de la chose, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'on entende parler de cela. Donc merci beaucoup pour cette naissance, c'est vraiment un moment très heureux, d'autant que je trouve que l'édition est très belle, et sans doute plus belle que l'édition française. Et j'aime notamment beaucoup le livre relié ici, qui le rend plus solide. Alors, je veux, en effet, nous avions convenu avec Armando Verdiglione que je parlerai deux fois. Je ne vais pas exactement répéter la fois prochaine, demain, ce que je vais dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous rappeler
Ce que je vous ai raconté à l'une des deux conférences de 98, à savoir le matériel même de l'enquête. Parce que si on ne parle pas du matériel de l'enquête, on ne peut pas ensuite réfléchir. Et demain, je vous parlerai du traitement théorique de l'interprétation que j'ai donnée, et qui d'ailleurs a connu quelques petites modifications depuis le livre lui-même, parce que j'ai travaillé depuis encore cette question, et je vous livrerai mes secondes interprétations, jointes aux premières d'ailleurs, demain. Alors, si je suis ici devant vous, c'est parce que je suis comme un peu obsédé depuis plusieurs décennies par une et une seule question. Franchement, qu'est-ce qui fait tenir nos sociétés aujourd'hui? Parce que moi, j'ai été très frappé par mai 68. J'avais fait des études de sociologie, j'avais fait des études de droit, et toutes se rejoignaient plus ou moins autour d'un certain nombre de paradigmes qui faisaient que la société tenait grâce à ces paradigmes. Et depuis, au moins dans nos pays, 68, et sans doute d'ailleurs, comme le disait John Searle, un philosophe américain que vous connaissez, depuis 64 aux États-Unis, c'est-à-dire la fameuse révolution de Berkeley qui a eu lieu en 64, quelques années avant notre 68 à nous, eh bien, les paradigmes ont complètement changé. Ça ne marche plus à la nation. Vous et nous, vous les Italiens et nous les Français, nous avons beaucoup marché à la nation. Vous, c'est Garibaldi, nous, c'est tellement de choses, d'ailleurs liées aussi à Garibaldi. C'est la nation, c'est l'égalité, c'est la souveraineté. Alors tout ça tenait ensemble une société. Et depuis quelques décennies, on ne sait plus comment cette société tient. Alors moi, j'ai pensé, dans les années 70, qu'elle tenait grâce à l'idéologie de ce qu'on appelait le PPBS américain, le Planning, Programming and Budgeting System, c'est-à-dire tout le système de décision, le Decision Making Process, et toute la recherche opérationnelle de McNamara, etc., de ces époques-là. C'était le système de décision dont on nous a dit, à partir des années 70, que c'est lui qui réglait la question de la régulation des sociétés. C'était la position officielle de la plupart des grands organismes. Je ne vous parle pas tout à fait par hasard de McNamara, mais il y en a eu beaucoup d'autres de ce type. Dans les années 80 et début des années 90, il y a eu un changement de paradigme, parce que ces choses-là s'épuisent un peu vite. Et ça a été la communication. La communication comme mode de régulation de la société. Nous y sommes d'ailleurs toujours encore. Nous y sommes toujours encore, même si elle tend à s'épuiser, même si ce paradigme de la communication tend à s'épuiser. Alors, on vous explique que grâce à la communication, le monde va tourner mieux, que va vous donner le bonheur et l'égalité, etc., etc. Bon. Et quand j'ai fini mon livre sur la communication, qui a d'ailleurs été traduit en italien à la fin des années 80, c'était en 88, je me suis demandé, mais enfin, mais quelles vont être les figures nouvelles, ou quelle va être la figure nouvelle? Je n'étais pas particulièrement porté sur la médecine, croyez-moi. Et je me suis interrogé, et j'ai d'ailleurs erré, je me suis trompé dans un ou deux cas. Et puis finalement, j'ai fini par trouver ce que c'était. J'abrège les intermédiaires, j'abrège les transitions, et j'ai fini par trouver ça tourner autour de la science. Et notamment, étant entendu que, bien sûr, Hubert Reeves, par exemple, chez nous, fait rêver, mais c'est la rêverie sur les étoiles, c'est la rêverie sur les autres mondes, les autres galaxies, mais ce rêve n'est pas vraiment moteur. Il porte au rêve, il porte à des associations d'idées, il porte à la poésie, mais il n'est pas moteur de société. Il ne crée pas les liens de société. En revanche, du côté des sciences du vivant, vous trouvez non seulement cette rêverie, c'est-à-dire cet imaginaire, mais aussi des embrayages, un embrayage sur l'action des sociétés. Alors, j'ai préparé ce voyage en pensant au départ que j'allais travailler sur à la fois le projet Génome, dont vous avez tous entendu parler. C'était au début des années 90 et j'y ai travaillé quelques années. Et puis, je voulais travailler aussi sur autre chose, Biosphère 2. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Alors, j'ai été aidé dans cette affaire et je m'en explique d'ailleurs dans ce livre par le ministère des Affaires étrangères, qui m'a aidé à prendre mes rendez-vous avec un certain nombre de personnes aux États-Unis et au Japon. Et voilà,
j'arrive pour voir ces deux choses-là, pour enquêter sur ces deux choses-là. Alors la première, le projet Génome. Projet Génome, je n'ai pas besoin de vous dire de quoi il s'agit, vous le savez tous, il s'agit de faire la carte génétique, il s'agit aussi de faire le séquençage. La carte est faite, elle a été faite par notamment l'équipe de Daniel Cohen à Paris qui l'a faite en premier, ce qui n'a d'ailleurs pas fait toujours plaisir aux Américains. Nous ne sommes pas très loin de l'affaire Gallo, je vous signale, dans cette affaire, mais ça c'est un petit détail, une anecdote dans la grande histoire. Et puis, il y a le séquençage. Et le séquençage, on est en train de le faire. Il y a une grande rivalité franco-américaine, notamment, sur cette question du séquençage. Bon. Alors, maintenant, j'arrive à Boston, et voilà que je rencontre un certain nombre de leaders de ce projet Génome, aussi bien du côté du MIT que du côté d'Harvard, et... j'entends un certain nombre de discours qui me paraissent assez extraordinaires. Alors, je vous les livre. La chose principale, c'est « Donnez-moi le génome d'un individu et je vous dirai qui il est. » C'est belle, là, non ? Je vous donnerai « Donnez-moi le génome d'un individu et je vous dirai qui il est. » Et ça, c'est prononcé par Walter Gilbert. Cette phrase est prononcée par Walter Gilbert, c'est-à-dire un prix Nobel, qui me dit ça tranquillement dans une interview qu'il me donne. En même temps, j'entends des discours tout à fait parallèles de lui et d'autres. Nous devons nous purifier de nos mauvais gènes, nous devons jeter en quelque sorte nos mauvais gènes pour les remplacer par des bons gènes. Cette idée d'une purification génétique apparaît très vite dans l'enquête. Et puis, un autre élément encore, je suis tout surpris de lire, pas dans des revues politiques, pas dans des revues, par exemple, un peu néo-fascistes ou d'extrême droite, modérées ou non, non, dans des revues scientifiques, on est réellement à la recherche et on met réellement de l'argent dans des recherches portant sur, vous l'avez entendu déjà, l'homosexualité. Mais pas seulement l'homosexualité, sur la violence, les gènes de la violence, le gène du banditisme, le gène du homeless, le gène des sans-abri, c'est-à-dire que nous aurions dans notre appareil génétique des éléments permettant d'expliquer qu'on soit un jour sans toit. Bon, ce sont tout de même des choses un peu étranges pour un esprit européen. Vous verrez que nos esprits européens auront d'autres surprises au cours de cette enquête. Bien. Et ça, je vous dis, dans des revues scientifiques, hein, pas du tout des revues politiques ou idéologiques. Bon. Je poursuis mon enquête un peu partout, notamment à Washington, où j'ai pu voir les gens du comité d'éthique américain, qui sont des gens tout à fait honorables, mais qui ne savent pas, et ça, c'est un trait américain, qui ne savent pas du tout qu'il existe des comités d'éthique dans de nombreux pays. Et par exemple, ils ignoraient complètement le comité d'éthique français. Ça, c'était une chose qu'ils ignoraient. Intéressant. Bon, nous étions capables de faire une réflexion sur ce sujet, une réflexion critique. Bon, je vais ensuite à Berkeley. Et là, m'attendent mes surprises. À Berkeley, je devais voir tout simplement des savants. Mais je fais un tour, je dirais presque par amitié, par convivialité, avec des amis que j'avais rencontrés 10 ans auparavant dans mes recherches sur la communication, pour mon précédent livre sur la communication. Et l'un et l'autre sont psychiatres à Berkeley, sont des spécialistes de l'école de Palo Alto, dite de Palo Alto à Berkeley. Et, pardon, Palo Alto, oui. Et ils m'invitent à dîner, ce qui est absolument habituel. Je les invite à dîner à Paris, ils m'invitent à dîner. Et là, c'est là le dîner de mes surprises. Là où je ne croyais pas du tout, je croyais n'être pas en enquête, en uniforme d'enquêteur, je croyais être simplement un invité, commence tout de suite la chose. Comment allez-vous, Judith ? Je l'appelle ici Émilie, mais son vrai nom, c'est Judith. Je peux vous le dire à vous. Comment allez-vous, Judith ? Elle m'a dit, maintenant ça va, mais vous savez, cet hiver, j'ai été en clinique, j'ai été opéré. Je dis, oui, je me suis fait enlever les ovaires. Alors, là, je la regarde un peu consternée, je pense à tout ce que vous pouvez
ce à quoi vous pouvez penser en ce moment. Je pense au cancer et je n'ose même pas prononcer le mot. Je dis, ah oui, vous avez des problèmes. Non, je n'ai aucun problème. Je n'ai eu aucun problème. Ma mère a eu des problèmes, ma tante a eu des problèmes, et par conséquent, j'ai préféré me faire enlever préventivement mes ovaires. Alors là, j'étais quelque peu interloqué, et je lui ai dit, vous savez, je ne sais pas si un chirurgien européen, vous savez, je n'ai pas dit français, parce que j'ai pensé à vous, j'ai pensé aux Espagnols, aux Portugais, à nous, en France, nous pensons souvent pareil pour ces choses-là. Je dis, mais je ne crois pas qu'un chirurgien européen ou un médecin européen aurait prescrit ou opéré une pareille chose alors que vous n'avez rien. Il dit oui, mais mon médecin aussi était ennuyé, mais nous avons fait un deal, nous avons fait un compromis. Le compromis, c'est que moi, je voulais m'enlever tout. Je voulais enlever et les seins et les ovaires. Alors, il m'a dit, bon, d'accord pour les ovaires, mais pas pour les seins. Et on a fait ce compromis et je me suis seulement fait enlever les ovaires. J'étais complètement stupéfait et j'ai préféré arrêter la discussion. Et d'ailleurs, nous avons, pour vous dire le type de classe sociale, ça c'est intéressant, la classe sociale qui pense ces choses-là et qui lance ce genre de mode, c'était ce qu'on appelle des radicals aux États-Unis. Des intellectuels, des gens qui avaient été du côté de la révolution de 64, une bourgeoisie aisée qui gagne bien sa vie, elle et lui à Berkeley, etc. Bon, et... nous sommes immédiatement passés à table. Naturellement, qu'est-ce que je trouve chez eux? Je trouve la meilleure pâte, la meilleure pasta d'Italia, je la retrouve chez eux. Le meilleur Beaujolais de France, je le trouve chez eux. Le meilleur Brie de France et la baguette française, je les trouve chez eux. Bon, c'est évident, c'est ça qu'on trouve dans ces milieux-là. Je sors de ce dîner complètement sidéré. Et je reviens chez moi, je parle avec des amis, et on me dit, mais comment, vous ne saviez pas? Et vous êtes très surpris, vous ne saviez pas, mais on fait ça dans la côte ouest, dans tous ces milieux-là, on fait ça généralement. Et nous étions en 92. Je vous signale ce point, nous étions en 92. Ah, je dis ça, alors, ils sont vraiment très surprenants. Je fais d'ailleurs un voyage en même temps, à ce moment-là, juste après, je vais à Los Angeles. Et à Los Angeles, j'entends un discours, pas exactement sur ce sujet, mais un discours sur encore un sujet de purification, purification des organes, vous avez compris ce que je veux dire, nous ne sommes pas loin avec la purification des organes de la purification des gènes, n'est-ce pas, du discours de tout à l'heure, c'est même le même système de représentation. À Los Angeles, c'est encore autre chose qui est voisin, c'est, on me dit, mais pourquoi l'amour? Pourquoi l'amour sexuel? Mais seul, on me dit, seuls les singes font l'amour. Les gens civilisés n'ont pas à faire l'amour. Les relations entre sexes parmi les gens civilisés ne doivent pas relever de cette catégorie-là. Ça doit être des relations plus fines, plus platoniciennes. Et ils me répètent, seuls les singes font l'amour. Je dis, bon, alors là, vraiment, nous sommes dans un pays complètement utopique de purification générale. Il faut surtout ne rien faire. Ne rien faire. Bon. Et je note... Je bloque ça dans un coin et je vais voir, c'était le premier, j'ai fait plusieurs voyages en surimpression, là, n'est-ce pas? Plusieurs voyages outre-Atlantique, je veux dire. Et là, à partir de là, je vais vers Biosphère 2. Alors, pourquoi Biosphère 2 et qu'est-ce que c'est Biosphère 2? Biosphère 2, c'est en apparence quelque chose qui est beaucoup moins scientifique. N'oublions pas, pour le projet Génome, il y a une vingtaine de laboratoires aux États-Unis, qui sont hautement financés par le Congrès, mais aussi par des instances privées. Tandis que là, cette histoire de Biosphère 2 était souvent mal vue, en particulier des médias. Et c'était une autre affaire. C'était une toute autre affaire. D'abord, un tout autre domaine. C'était une affaire écologique. Biosphère 2, c'est un hangar de verre de quelque chose comme 5000 mètres carrés environ, dont le seul contact avec l'extérieur, c'est le verre, c'est-à-dire la possibilité pour le soleil de passer à travers le verre et de faire les opérations de photosynthèse sur les plantes. Bon. Alors là, sur le modèle, et là, vous savez que de ce côté-là de l'Atlantique, on pratique beaucoup, on ne théorise pas seulement, on n'en parle pas théologiquement seulement, mais on pratique beaucoup la Bible. C'est évidemment sur le modèle de l'Arche de Noé, c'est-à-dire que l'on met... ici, 3500 espèces végétales, on met des espèces animales, on a mis des petits cochons, on a mis des chèvres, on a mis des poulets,
On a mis des poissons aussi, et on a mis 8 humains, 4 femmes et 4 hommes, pendant 2 ans, enfermés dans cet hangar de verre, se nourrissant de la végétation qu'ils produisaient eux-mêmes, respirant l'air qui venait de ces échanges, n'est-ce pas, et mangeant tout ce qu'ils pouvaient manger à l'intérieur de cette chose-là, y compris les poulets, d'ailleurs, qu'on y avait mis, etc., etc. Bon. Alors, j'ai été 2 fois, d'ailleurs, je vous raconte en même temps les 2 voyages. La première fois, j'ai vu à l'intérieur des gens qui... des humains qui étaient dans des forêts, qui représentaient ce... Biosphère 2 était intéressant, c'est une très belle exposition, une idée d'exposition, si vous voulez, avec les 5 principaux biomes de l'humanité. C'est-à-dire les 5 principaux agrégats de végétation cohérents de l'humanité. N'est-ce pas, le monde tropical, le monde... etc. Pas le monde méditerranéen, etc., etc. Bon. Et je voyais donc des humains se promener dans ces vins pour les arroser, pour les tailler, pour les... Bon, et puis j'ai pu avoir de longues interviews avec les protagonistes de l'affaire, ceux qui ont créé l'affaire, dont je vous signale tout de suite qu'elle est principalement soutenue par 2 forces, l'une publique, l'autre privée. L'une publique, c'est la NASA, ça on ne veut jamais le dire. Et pourquoi la NASA? Parce que nous sommes en pleine science-fiction. Parce que la science-fiction aux États-Unis, je vous en parlerai demain de la science-fiction, et c'est là où j'ai fait un peu progresser ma réflexion, la science-fiction aux États-Unis n'est pas du tout quelque chose qui resterait dans les romans. C'est quelque chose aussi qu'on veut pratiquer. On considère que demain, la planète sera tellement polluée, que demain, la planète sera tellement menacée par des explosions atomiques ou autres, ou encore par des rencontres avec une autre planète qui feront exploser notre planète, qu'il faut prévoir le futur. Et donc partir sur Mars. Et donc partir sur Mars. Et c'est une préfiguration, Biosphère 2 est une préfiguration des voyages sur Mars pour échapper à cette Terre, pardonnez-moi le terme, mais ceux qui parlent français le comprendront très bien, cette Terre devenue dégueulasse, très, très, très sale, n'est-ce pas, très sale. Bon, alors, Biosphère 2, deuxième voyage, je vois et je parle avec les gens. Alors, chose tout à fait intéressante, je lis la presse d'abord, et puis je parle avec les gens. Alors la presse dit la plus grande santé du monde, la plus belle santé du monde. Ils sont sortis après 2 ans dans cette atmosphère complètement purifiée. C'est la plus belle santé du monde. Excusez-moi, je reviens juste en arrière une seconde. Je vous avais dit 2 choses. Je vous avais dit d'abord la NASA, mais je ne vous ai pas dit un milliardaire américain, un milliardaire texan, voilà, qui voulait payer ça. Et naturellement, des entrées. Le milliardaire texan a voulu que ça soit rentable. Alors, on a fait des entrées, comme à Disneyland. Alors, on peut rentrer dans des petites voitures avec des bip-bip, on peut rentrer, etc. Ben, je ferme la parenthèse, je redescends maintenant. Et je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que la presse nous dit c'est la plus belle santé du monde. Alors, en effet, le taux de cholestérol était un taux de cholestérol, après 2 ans de ce régime, incroyablement bas. Mais incroyablement bas. Mais il y avait quelques raisons, c'est que moi, ces gens-là, je les ai vus, parce que j'ai parlé avec eux. Là, au bout d'un an, j'avais le droit de pas... Je les ai vus, n'est-ce pas? Ils étaient sortis, et ils étaient dans un état de fébrilité extraordinaire. Une très jolie fille qui s'appelait, qui est une Anglaise, et que comment on les appelait? Les bionautes, n'est-ce pas? Les biosphériens, on les appelait les biosphériens, appelaient entre eux Gaïa. Quand je vous parle de la pratique de la science-fiction, Gaïa, ce n'est pas tout à fait pour rien. C'est une des héroïnes d'Asimov. Il faut bien se souvenir de ça. Le jeu entre la science-fiction et la réalité aux États-Unis est toujours quelque chose d'extrêmement proche, alors que chez nous, ça reste scotomisé, cloisonné, dans un système roman ou pas roman. Bon. Et ben là, pas du tout. Donc, on l'appelle Gaïa. C'était une femme, d'ailleurs, très jolie, très intelligente, dans un état de fébrilité intense et visiblement et très infiniment maigre. Et évidemment, ils étaient morts de faim. Moi, je me souviens aussi d'un autre couple que j'ai vu ce jour-là. Une heure après, j'ai vu un autre couple. C'était un petit couple, comme on dit en français, on dit un petit couple, un gentil petit couple, qui s'était trouvé dans cette biosphère. Parce qu'on me pose généralement la question, alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 4 hommes et ces 4 femmes? Ben, la réponse est tout à fait banale. Les lois de distribution du hasard sont toujours les mêmes. Ben, il y en a qui ont fait, il y en a qui n'ont pas fait. Bon, mais ça n'avait rien d'extraordinaire. Donc, ceux-là que j'ai vus étaient... un couple qui avait fait, qui s'était rencontré, qui restait après l'aventure de Biosphère 2, ils étaient ensemble. Et j'avais rendez-vous avec eux à 4h30. Alors à 4h30, ils m'invitent chez eux, dans leur petit home, à manger, à boire quelque chose.
c'est, ça peut être, vous savez qu'aux États-Unis, on mange beaucoup plus tôt que chez nous, et encore plus tôt que, évidemment, chez vous, les Italiens qui mangeaient un peu plus tard, n'est-ce pas? Eh bien, c'est généralement, l'heure du dîner, c'est 6 heures. Alors, 4h30, on a bu un whisky, deux whisky, et eux, je les ai vus dévorer un sandwich, deux sandwichs, trois sandwichs, quatre sandwichs. Ils m'ont quitté à 6h moins le quart pour dire, je suis obligé de vous quitter, je suis obligé d'aller ailleurs, nous allons dîner ailleurs. Ayant mangé déjà 4 ou 5 sandwichs, ils se précipitaient pour aller dîner. Alors, ceci pour vous dire que c'était effectivement la meilleure santé du monde parce qu'ils étaient morts de faim. Parce qu'ils étaient morts de faim pendant 2 ans. Évidemment, c'est à peine une plaisanterie. Et après tout, on peut aussi dire cela. Moi, je voudrais bien savoir si la meilleure santé du monde n'était pas aussi celle du point de vue du cholestérol pour ceux qui sortaient, qui avaient encore la chance d'avoir survécu dans les camps de concentration. Ceux qui sortaient du camp de concentration, je crois que leur taux de cholestérol était effectivement très bas. Alors c'était bien entendu une extravagance. Et je me suis demandé... à partir de là, je me suis répété, mais enfin, je suis vraiment dans un pays où on se coupe les seins, on se coupe les ovaires, où on coupe tout, où on pense que seuls les animaux font l'amour, que c'est pas une chose qui est réservée chez nous, où on s'enferme complètement, et c'est ça, l'image de la vie future, c'est être enfermé dans la campagne. C'est une drôle d'idée, s'enfermer dans la campagne. Enfin, vous voyez le renversement complet, alors qu'on était enfermé dans la ville, on trouve un enfermement dans la campagne, c'est quand même quelque chose... D'assez curieux, quand même, d'assez intéressant pour notre réflexion. Et j'ai pensé une deuxième fois utopie. Mais je n'avais pas tout vu. Je n'avais pas tout vu, et en plus, utopie réalisée ici. Mais je vous en parlerai demain de cela. Il y a utopie. Là, c'est une utopie réalisée. Et je vais ensuite dans un troisième endroit que je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu cet endroit-là parce que je ne le connaissais pas au départ. Et quand je suis arrivé à Boston, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de scientifiques et d'épistémologues. On m'a dit, vous devriez aller voir cette dame. Méfiez-vous quand même parce qu'elle est féministe et très agressive. Alors, vous devriez quand même pas être prudent, mais enfin, allez la voir. Je suis allé voir cette dame. Que nos amis américains connaissent bien dans ces milieux-là, qui s'appelle Evelyn Fox Keller, et qui est une femme remarquablement intelligente. Evelyn Fox Keller. Remarquablement intelligente. Et qui m'a accueilli sans aucune agressivité, et qui m'a dit, mais j'étais en début d'enquête, et je ne savais pas trop comment attraper ces choses-là. On ne sait pas, je suis un chercheur, je ne suis pas un trouveur du premier coup. Un chercheur, c'est quelqu'un qui se trompe souvent. Et donc, là, j'étais un petit peu embarrassé. Je lui ai dit, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mais au fond, que voulez-vous? Elle m'a poussé dans mes retranchements. Et j'ai fini par lui dire, parce qu'elle m'y poussait beaucoup, et je la remercie, j'ai fini par lui dire, ce qui m'intéresse au fond, ce sont les nouvelles métaphores de la nature. Et ça, si elle ne m'y avait pas poussé, je n'aurais pas été jusque-là. Les nouvelles métaphores de la nature. Alors elle me dit, oh, mais c'est très intéressant, vous devriez aller au Santa Fe Institute. Vous devriez aller à Santa Fe, au Santa Fe Institute, voir Christopher Langton et tout ce qu'il fait qui dérive de l'intelligence artificielle, mais qui est très lié à la biologie. Allez voir, c'est l'auteur de différents travaux et d'un groupe de chercheurs sur Artificial Life. Artificial Life. Alors, j'ai acheté dans une librairie ce colloque que j'ai trouvé que c'était passionnant, et j'ai demandé au consulat français de me faire une rallonge, si vous voulez, du voyage pour aller au Santa Fe Institute à partir de l'endroit où j'étais, c'est-à-dire de Oracle. Oracle et Tucson. Tucson et Oracle, c'était les endroits où j'avais trouvé Biosphère 2. Nous sommes dans le sud des États-Unis, naturellement. Et je vais à Santa Fe. Et là, je rencontre un monsieur, on dit en français, je ne sais pas comment on pourrait le dire en italien, en français on dit allumé, un peu excité, un peu allumé. Non so si potresse dire accenato, mais quelque chose comme ça, hein, vous voyez, un poco accenato. Et alors il me dit quoi? Il me dit, vous savez, moi je suis un biologiste, et j'ai échappé à la biologie classique, maintenant je fais une biologie nouvelle, je construis des êtres, c'est la réalité même des êtres biologiques, mais sur ordinateur.
Et alors, il me montre comment il peut créer des populations d'êtres qui, rassemblés, vivent en tribus, vivent en groupes, et il les dote d'un sexe, à l'horizon des enfants, et puis il leur donne à manger, alors ils mangent, et puis ils vieillissent, et puis ils meurent. D'ailleurs, sous mes yeux, il a fait naître une population comme ça, qui est morte en une demi-heure. Il m'a dit, je me suis trompé, je ne leur ai pas donné assez à manger dans le programme. Bon, mais il m'a dit, vous savez, de toute façon, je peux aussi vous en faire des immortels. Je n'en doute pas. Alors, je le regardais de façon un peu strane, un peu bizarre, comme ça. Et il me dit, mais vous savez, vous avez tort de ne pas me croire, parce que demain, c'est cette population qui va nous remplacer. Elle va nous remplacer, nous allons être remplacés par ces êtres électroniques, nous allons être remplacés par des robots, et il est bien évident que nous devons même prévoir la façon dont ils vont vivre en société. Par exemple, nous devons penser à créer dès maintenant, une déclaration des droits des robots. Alors, je dis, ah oui, bah avec des sanctions. Je dis, ah oui, vraiment, je dis vraiment. Il me dit, oui, parce que s'ils commettent des fautes contre des humains, eh bien là, évidemment, il faudra prendre des sanctions avec toute une échelle de sanctions, la suppression pure et simple si c'est des fautes graves et répétées, ou bien des sanctions plus légères si ce sont des fautes plus vénielles. Alors, je vous signale aussi, pour qui connaît la science-fiction, que ça aussi, on le trouve dans Asimov, hein. Non, mais ne croyez pas que tout ça... C'est un jeu de représentation entre romans et pratiques qui ont une certaine importance. Vous me direz, mais ce n'est pas de la biologie. Ben, ce n'est pas de la biologie. D'abord, oui, en effet, ce n'est pas de la biologie. Ils se contentent de faire des modèles. Ils font des modèles. Et c'est qu'ils font des modèles, d'ailleurs, qui sont tout à fait utiles, notamment pour le développement de certaines populations. Et par exemple, des modèles qui leur ont été achetés par la municipalité de Los Angeles sur le mode d'accroissement, le mode de développement d'une population de moustiques. Pourquoi ? Parce que Los Angeles, à un moment donné, était rempli de moustiques en raison d'un développement quasi illimité des piscines. Une région sans eau, et puis brusquement, des eaux un peu stagnantes, malgré tout, un peu partout, et donc développement des moustiques. Alors, comment supprimer ces moustiques et comment stopper leur évolution ? Donc, ils font des modèles de ce type, qui sont utiles pour un certain nombre de pratiques municipales ou autres. Et eux, simplement, ils ajoutent, si on se contentait de ça, ben, ce serait parfait. Ils disent, mais c'est de la vraie vie. Ce n'est pas des modèles de vie, c'est de la vraie vie. Et bon, c'est là où les biologistes commencent à se poser des questions, puisque la vie, on n'en connaît absolument pas la définition. Et je vous rappelle qu'un auteur qui a beaucoup plus d'autorité que celui qui vous parle, et qui s'appelle Canguilhem, disait bien, qui avait fait de gros travaux sur la vie, la connaissance de la vie, il a même écrit un livre, La connaissance de la vie, il n'y a pas de définition ni philosophique ni biologique de la vie. On ne sait pas ce que c'est. Non, mais eux, ils semblaient savoir. La vie, c'est ce qu'ils mettent dans l'ordinateur avec cette imitation des procès de vie. Alors, c'était, si vous voulez, des vrais procès de vie, en termes épistémologiques, c'était des vrais procès de vie mis en artificial life, mais évidemment, ce n'était pas la vie. Alors, c'est la conjugaison de ces trois choses qui est au centre de mes réflexions sur la santé parfaite. Quand je suis entré à Paris, je me suis dit, c'est vraiment une drôle de choses que j'ai vues. Il faut absolument que je travaille au moins sur l'utopie. J'ai donc beaucoup travaillé sur l'utopie, je vous en parlerai demain. Mais je serai amené aussi à vous parler de la science-fiction. Et un seul mot pour conclure, et aussi de l'idéologie. Il y a trois aspects, utopie, idéologie et science-fiction. Idéologie, à l'évidence, lorsque vous dites que vous allez trouver les gènes du banditisme ou de la sensatetti, bon, c'est incroyable, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est de l'idéologie pure et simple. Problèmes sociaux réglés mécaniquement par la génétique. Nous ne sommes pas loin de Galton, je vous signale. Hein, il y a toute une influence ici, le cousin de Darwin. Bien, alors, il y a cet aspect des choses. Il y a un aspect d'utopie, et je vous en parlerai plus profondément que l'idée. Parce que l'idéologie est tellement évidente que je n'y insisterai pas beaucoup. Je vous parlerai de l'utopie, puis je vous parlerai aussi de la science-fiction. Alors, le mot pour conclure, c'est que peu importe ici le caractère scientifique ou non, ce qui est important ici, c'est le système de représentation qui est mis en avant. Ce qui est important, c'est ce système de représentation. On veut nous construire une autre société
en s'abritant derrière quelquefois de la vraie science, et on peut quand même considérer que la recherche de génome, est dans la science, et quelquefois quelque chose qui n'en est pas du tout, qui peut être simplement une pratique de modèle mathématique. Ou encore une construction utile à mi-chemin de la science et de ce qui n'est pas la science, comme Biosphère 2, à laquelle, je vous répète, la NASA s'est intéressée, pas tout à fait pour rien. Voilà, il faut réfléchir, à mon avis, dans ces affaires de ce que j'appelle la santé parfaite, ce n'est pas seulement de la science dont il est question, c'est des pratiques sociales, c'est tout un système de représentation. On ne peut pas jeter la science en disant... elle est mauvaise parce que ses représentations sont mauvaises. Non, il y a la science d'un côté, et puis un système de représentation, de justification, qui me paraissent peut-être vouloir changer le cours de nos sociétés. Alors c'est à nous de savoir si nous voulons aller jusque-là ou si nous voulons stopper net ce genre d'invention, servi évidemment par des industriels, servi par des publicitaires. Pas. Parce que ce que vous ne vous pouvez pas voir, et pourquoi ces affaires-là, on les connaît moins bien en Europe, mais c'est tout simplement parce que les industries biotechnologiques sont beaucoup plus avancées aux États-Unis qu'en Europe. Et il y a environ 10 à 12 industries biotechnologiques en France, par exemple. Je ne connais pas les chiffres italiens, mais vous allez y venir certainement, parce que ça rapporte gros. Ce sont vraiment les industries qui vont rapporter gros dans l'avenir. Et puis, il y en a 150 aux États-Unis. Alors, évidemment, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose parce que ça fait une masse considérable, une masse de publicité, une masse d'articles, une masse de pulsions rédactionnelles qui font que, pour l'instant, nous ne voyons pas encore venir énormément ces choses-là, mais on les voit venir de plus en plus. Merci. Bene, quindi è un'occasione felice questa di questo congresso per discutere di questo libro, no? E quindi avendo qui il rapporto dell'autore, quindi di Lucien Sfez, che noi invitiamo a stare al tavolo per tutto il tempo del congresso in modo da intervenire, momento Michele, in modo da intervenire man mano, no? C'è qualche domanda da rivolgere adesso a Lucien Sfez a proposito di quello che ha detto? Est-ce qu'il y a quelques questions tout de suite? Ecco, allora Hugh Christie vuole intervenire subito. Allora un attimo solo che prendiamo gli apparecchi. Un momento. Prendiamo gli apparecchi. I'm sorry, because of the translation, I missed some of the beginning of what you were saying, but I heard most of it. Oh, now you can't hear me. It's okay? Yeah. I wonder whether you see this attempt to create genetic purity in human beings as growing from a traditional but non-technological attempt, such as social classes only breeding within themselves historically, for example. En français? Oh. I think, anyway, okay. If I understand right now, you're saying that in America, possibly in Europe, you found that this utopia is thought to be possible because we can identify a gene for violence or a gene for homosexuality, and we can remove this, and then we will have perfect people?
And this the technology to do that is modern, but I wonder if you would think that the desire to do that is ancient. I wonder if you would think that we see a similar desire reflected in the way that social groups have bred and intermarried and excluded some characteristics. And I've lost me again. C'est une question très intéressante. Et notre ami, dont je ne connais pas le nom, Christie. Hugo, on peut Hugo. Dire Hugo, merci. Hugo Christie, va au-delà de ce que je voulais dire aujourd'hui, et il a tout à fait raison. Il se trouve que il me devance. Ce que je veux dire, c'est qu'il me devance. Mais effectivement, c'est dans cette direction que j'ai travaillé. J'ai effectivement découvert certains aspects de ces choses dans une certaine classe sociale qui pouvait se payer ce type de transformation, etc. Je ne doute pas que cette classe sociale, que j'ai vue comme ça à Berkeley, n'existe dans d'autres pays du monde et ne soit prête à faire des transformations de ce type dans plusieurs pays. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est le développement technologique. Ça n'est pas tout à fait un hasard si ces choses-là se passent aux États-Unis d'abord. D'abord, je vous disais, je vous parlais en un seul mot très rapide du monde anglo-saxon, n'oubliez pas Galton. Galton, ça n'était pas seulement ce cousin de Darwin qui, évidemment, a souffert de l'ombre de son cousin germain, puisque l'un était génial et que lui n'était que très intelligent. Et Galton n'était pas seulement cet auteur qui était un peu raciste, si vous voulez, avec une conception de hiérarchie sociale qu'on trouve un peu chez Darwin, mais qui est plus camouflée chez Darwin, alors que Galton le dit plus franchement. C'est aussi un homme assez extraordinaire, d'une réelle originalité. C'est-à-dire que c'est un homme qui croyait qu'on pouvait tout compter. Il voulait tout mesurer. Il voulait tout mesurer. Alors, il voulait mesurer si, par exemple, les gros étaient plus intelligents que les maigres, si les blonds étaient plus intelligents que les bruns, si les bruns étaient comme ils le pensaient, c'est-à-dire des gens comme vous, les Italiens, des Méditerranéens, étaient plus paresseux que les... Bon, il faisait comme ça des mesures, bon. Que des blonds du Nord, n'est-ce pas, qui, eux, seraient travailleurs. Vous connaissez cette chose-là, mais ils prenaient... Non, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une idéologie, naturellement, mais ils mesuraient. Il ne faut jamais oublier ce que c'est qu'une idéologie pour comprendre ces choses-là, hein, pour mettre en cause le quantitativisme. Bon, ils mesuraient. Il a même mesuré, vous savez, Galton, il a mesuré l'efficacité sociale de la prière. Alors, ceux qui prient, combien de fois ils priaient tous les jours, et ceux qu'ils priaient leur demande à Dieu, il voyait si elle s'était réalisée ou non. D'ailleurs, il avait conclu, il a dit non, Dieu ne réalise pas les prières. Et voilà, je fais la démonstration mathématique que Dieu ne réalise pas les prières. Bon, c'était Galton, c'était la fin du 19e siècle. Et tout ça s'est transporté ensuite aux États-Unis, qui sont un pays incontestablement porté sur ce qu'en Europe, on pourrait appeler un certain réductionnisme biologique. C'était Lombroso en Italie. C'était Lombroso, ben oui, par exemple. Ben par exemple, il y avait ça. C'était aussi la même époque. Vous avez raison, c'est le 19e siècle. Alors, tout ça a été transporté aux États-Unis. Les Américains adorent parce que fact is a fact. Ça, c'est l'idée de très positiviste. Fact is a fact. Tout ça est transporté ensuite, transposé avec Mendel, etc., à la génétique. Et à partir de là, on peut dire que tout devient génétique. Ainsi, les catégories dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la catégorie des sans-logis, de la violence, des homosexuels, etc., tout devient génétique. Ce sont des modes de compréhension, disons, commodes, complètement faux, mais commodes, pour une société qui recherche son sens, sa cohésion. Bon, alors, en même temps, ça c'est la première raison, j'essaye de voir le développement des idées, du système des idées, donc à partir de Galton, il a raison, de Lombroso, c'est-à-dire ce système de positivité, fact is a fact, n'est-ce pas? Bon.
Et puis, deuxièmement, il y a la technologie. Je voulais vous en dire un mot demain, mais tant mieux si notre ami Hugo me demande de devancer la chose. Il y a le développement de la technologie. Alors, pourquoi la technologie a pris un tour aussi utopique et d'une utopie aussi concrète et aussi réelle dans un pays comme les États-Unis? Ben, c'est que dans ce pays-là, vous avez eu une succession de frontières. Ce fut d'abord la conquête de l'Ouest, qui a été la grande frontière américaine. Souvenez-vous d'ailleurs le terme de frontière, de conquérir de nouvelles frontières, il était encore utilisé par Kennedy, souvenez-vous. La nouvelle frontière que voulait Kennedy dans les années 60. Donc la nouvelle frontière, c'était encore celle-là, c'était la frontière sociale, n'est-ce pas, donner un petit peu d'intégration sociale, ce que voulait Kennedy. Mais dans les 19e siècle, la frontière, c'était la conquête de l'Ouest. Et quand la conquête de l'Ouest s'est arrêtée, alors la nouvelle frontière a été véritablement la frontière technologique. C'est-à-dire que c'est une des raisons des utopies technologiques aux États-Unis, c'est que on dit c'est à partir de la technologie qu'on va reconstruire le monde, qu'on va donner sens à notre société. Notre société ne peut pas s'arrêter. La société américaine est une société éternellement dynamique. Elle doit sans cesse aller au-delà, sans cesse aller au-delà, sans cesse se reconquérir elle-même. Et alors, comme on a déjà conquis l'Ouest, eh bien, on va maintenant conquérir la modernité, donner l'exemple au monde à partir de la technologie. Et la chose intéressante, je m'arrêterai là ensuite pour ne pas déflorer ce que je dirai demain, la chose intéressante, c'est que de 1880 à 1930, nous allons avoir une soixantaine d'utopies technologiques défendues par des gens extrêmement importants aux États-Unis, et dont les livres vont se vendre à des millions d'exemplaires, et qui seront lus aussi bien par les parents des enfants d'aujourd'hui que par les enfants eux-mêmes. À la fois, les enfants sont grands lecteurs de science-fiction. Vous savez que la jeunesse américaine est beaucoup plus lectrice que la nôtre encore, même si la nôtre a beaucoup pris ce chemin, mais elle est beaucoup plus lectrice encore que la nôtre de science-fiction. Eh bien, la jeunesse américaine est lectrice tout autant de ces utopies. Ce qui est intéressant dans ces utopies, c'est que ce sont des utopies pratiques. Elles ont récupéré l'ensemble du système théorique utopiste dont je vous parlerai demain, qui vient d'Occident, enfin, qui vient des grands utopistes, de Platon à Rabelais, à Moore, à Burton, à Verras, à Jules Verne. Bon, tout ça a été récupéré, mais dans un sens très pratique. Si bien que ces utopistes technologiques américains ne sont pas justement des philosophes, ne sont pas des romanciers. Ne sont pas des gens qui prétendent donner une vision générale, universelle de la société. Ce sont des gens qui veulent donner une réparation précise à des problèmes sociaux qu'ils jugent cruciaux et à partir de là, qui vont révolutionner la société. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y en a un que vous connaissez tous. Il y en a beaucoup que j'ai cités, là, ici, dont les livres ont été vendus à des millions d'exemplaires. Vous verrez ça dans le livre « La santé parfaite ». Mais il y en a un que vous connaissez tous, parce qu'on vous l'a donné à manger quand vous étiez petit. C'est M. Kellogg, le docteur Kellogg. Le docteur Kellogg, des Rice Krispies, des pétales de maïs. Bon, c'est celui. Et alors, qu'est-ce qu'il voulait, le docteur Kellogg? Il a écrit des livres, justement, en cette période-là. Il voulait régénérer, disait-il, la race américaine, régénérer la race américaine, et à partir de là, régénérer l'ensemble de la jeunesse du monde. Voilà. C'est ça, les utopies technologiques à l'américaine, elles sont là, elles sont au centre. Et nous sommes ici dans le droit fil du discours, c'est un des antécédents du discours de la santé parfaite. Vous voyez ? C'est à partir d'un certain nombre de trucs qui sont liés au commerce, qui sont liés à l'industrie, que l'on va essayer de changer le monde. Qu'on dit qu'on va changer le monde, qu'on va changer la civilisation. Voilà. Je crois qu'il y a différents facteurs, comme toujours, multicausal, n'est-ce pas ? C'è qualche altra domanda? Prego, allora il nostro amico Michele Baumgartner. Prego. It's not so much a question as a comment. The first group in 1993 who approached IFAS, were environmentalist groups who encountered a very odd form of tourism, mostly carried out by Americans, which can be called genetic tourism, or more accurately, gene piracy.
American firms traveling the world collecting everything, genetic material from everything from plant up to humans, from indigenous peoples, brought it home to their firms, sorted it out, and wanted to patent it. So they would own the, some believe, footprints of life of, for example, native people in West New Guinea. So again, here we encounter a form of violation where people no longer own their own genetic material, but patents are put on life, and very concrete life. What was the comment? Oh, yes, absolutely. J'ai pas compris la question, je dois dire. Est-ce qu'il y a une question? Non, non, non. Non, il n'y a pas de question. C'était pas une question. C'était un commentaire, oui. Un commentaire, oui. C'è qualche domanda? Oui. I think that you were saying that this quest to remove disease through genetics is itself some kind of a disease, and I'm wondering what you would say the antidote is. What is a social response to this, or what is an answer to this? No. Can you repeat, please? Yes, I think that you are saying that this this desire for utopia and this technological ability to play with genes to remove disease is itself a disease. C'est vrai? Ah. Presque. Alors, qu'est-ce que c'est le... E forse l'idea stessa di purismo che le fa dire che questa è pure una malattia. Cioè, noi pensiamo tanto all'idea di purezza per cui siamo costretti a dire la parola malattia. Well, I think, oui, peut-être, mais pour... disease to remove her ovaries for this woman, I think you are saying this to you seems unusual behavior, possibly in some sense pathological behavior for this woman to want her ovaries removed. This is a kind of a disease. Je vais essayer de répondre. C'est une question. No, perché malattia? Cioè, questa non è una malattia. Non è una malattia che questa donna si faccia togliere le ovaie. E diciamo che questa donna, all'interno di un contesto ideologico, si costituisce come soggetto in questo business della morte e aderisce al fatto di che si tolgano le ovaie. Ma non è che questa sia una... Dobbiamo capirlo come una malattia, altrimenti noi siamo sempre nella prospettiva della mitologia medica. Aspetta, un momento. Nome no. Sì. Ecco, sentiamo cosa dice. Oui, moi j'ai un peu les mêmes réactions. Je dirais pas pareil que Armando Verdiglione, mais j'ai la même réaction que lui, la même orientation. Moi, je dirais pas maladie, moi. Moi, je dirais pas que les gens qui pensent d'une certaine manière, qui sont un certain nombre, ensemble, qui pensent pareil, seraient des gens malades. Non, justement, comme il y en a beaucoup, alors il faudrait dire qu'il y a beaucoup de gens malades, et je ne crois pas que ça soit le cas. Le gène de cette maladie ne se trouve pas, en tout cas, dans le corps. Le gène de cette maladie se trouve dans la société elle-même. Si
Il faut comprendre quelque chose quand même, c'est que nous n'avons, je répète ce que je voulais dire dans mon introduction. Dans mon introduction, je voulais vous rappeler que depuis 68, il s'était passé des choses, c'est-à-dire que il n'y avait plus les mêmes comment dire, organisations du sens que celles que nous connaissions il y a quelques décennies. Et qu'en plus, chose aggravante depuis 68, il y a eu la chute du mur de Berlin. Pour les intellectuels, ça ne les a pas du tout surpris, mais pour la masse de la population, ça les a beaucoup surpris. Les intellectuels, ils étaient au courant. Grosso modo, il y a eu des strates d'intellectuels. Il y a eu les gens de la Tchécoslovaquie, puis les gens de la Hongrie, puis les gens de ceci, puis les gens de cela. Et puis dans les années 70, il y avait ce qu'on appelle les nouveaux philosophes, etc. Bon, les intellectuels n'ont pas été surpris de la chute du mur de Berlin, mais la masse de la population a été surprise. Parce qu'il y avait encore des résidus, il y avait des résidus de communisme, des résidus d'idées qui... Bon, vous me direz, il y a toujours des résidus de communisme, enfin ça, c'était des résidus qui étaient beaucoup plus mobilisateurs, si vous voulez, où l'idéologie communiste était encore très, très présente et très vivante. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Et donc, dans ce vide, les gens ont évidemment besoin de quelque chose qui organise le sens. Où pourraient-ils le trouver ? Ils l'ont trouvé du côté de la communication. Ça continue de marcher. Et notamment, dans la communication, c'est lié toute cette idéologie de la communication, qui n'est pas une utopie, à mon avis, qui est seulement une idéologie, est liée aux aspects commerciaux. Qui vous tient ce discours insensé sur la communication, sinon les vendeurs de machines ? Le discours sur la convivialité de l'ordinateur, le discours sur la liaison amicale de l'homme et de la machine, etc., etc. Bon, alors, tous ces discours sur la communication continuent, même ont trouvé une sorte de seconde jeunesse dans les années récentes avec Internet, mais vous savez bien que tout ça ne peut pas durer. Vous êtes trop avertis pour vous imaginer. Je m'adresse par exemple aux journalistes, eux qui font l'actualité tous les jours. C'est un métier atroce que d'être obligé d'écrire tous les jours quelque chose de nouveau, j'y pense souvent, pour ça qu'ils disent souvent beaucoup de bêtises, mais c'est qu'ils sont, liés à l'actualité. Mais ils savent bien au moins une chose, par expérience journalistique, c'est qu'une image symbolique de ce type se dégrade très vite, et que l'image symbolique de la communication est en train de mourir. Alors on a trouvé beaucoup mieux que ça. Ça c'est un des aspects, une des entrées de la chose. On a trouvé évidemment quelque chose dans la technologie qui affecte le corps. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le corps ? Donc, il y a déjà cette technologie, les biotechnologies, l'introduction de la publicité, l'introduction de l'assistance rédactionnelle dont je parlais tout à l'heure. Et puis, d'autre part, il y a tous les mythes qui sont là, je ne parle pas d'utopie, les anciens mythes de l'immortalité. Nous y sommes en plein. Cette idée que un médecin... D'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi les gens attaquent beaucoup les médecins aujourd'hui. Je pense que c'est aussi bien en Italie qu'en France qu'aux États-Unis. C'est qu'ils ne supportent pas qu'il puisse y avoir la moindre erreur. Ou même, il n'y a pas toujours d'erreur, ni même la moindre incertitude, ni même la moindre attente. Il faut que tout soit parfait, immédiatement parfait, sans discussion. Bon, alors, ça fait partie de la même chose. Et aujourd'hui, on va plus loin avec le mythe de l'immortalité qu'on réanime, qu'on réactualise. Par exemple, j'ai entendu Daniel Cohen, le généticien français, parler des gènes du vieillissement. Il dit qu'on est sur la route de trouver ça, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir normalement vivre jusqu'à 150, 160 ans. Et qu'actuellement, en l'absence de ces gènes... Non, il y a des médecins à Milan récemment qui ont lancé l'ère découverte en disant nous avons trouvé comment les humains peuvent vivre jusqu'à 130 ans. Oui. 135. Bon, là, il y a de temps en temps, il y a des bagarres entre médecins. Les uns ont trouvé, les autres n'ont pas trouvé. Bon, on est dans la même histoire. Alors, 130 ans, 150 ans, alors qu'aujourd'hui, même en l'absence d'ailleurs de recherche génétique, compte tenu du développement général de l'hygiène et de la médecine, on peut déjà, et c'est ça qui est porteur aussi du mythe d'immortalité, on peut déjà vivre beaucoup plus longtemps que par le passé et vivre normalement des masses importantes de populations peuvent vivre désormais à 90 ans, 100 ans, etc., etc., même en l'absence de ces gènes du vieillissement. Alors, ce mythe de l'immortalité, comment voulez-vous qu'on soit contre ? Comment voulez-vous qu'on soit contre ? Moi, par exemple, je me suis opposé dans mon livre, j'ai voulu insister là-dessus, à ce qu'on puisse appeler ça eugénisme. Parce que appeler ça eugénisme, cette purification des gènes, l'appeler eugénisme, c'est se tromper de bataille. À mon avis, c'est se tromper de bataille parce que c'est ici
s'appuyer sur le cas du docteur Mengele, s'appuyer sur le nazisme, n'est-ce pas, etc. Je ne crois pas que ça soit exactement de l'eugénisme, parce que dans quelques années, lorsque, pour vous-même, pour votre femme, pour vos parents, pour vos enfants, pour votre mari, vous serez amené à utiliser la thérapie génique qui sera une conséquence directe de ces recherches sur le génome, eh bien, cette accusation d'eugénisme va tomber complètement. Va tomber complètement. La thérapie génique n'est pas nécessairement source d'eugénisme. Il peut y avoir des dangers eugéniques, ils ne sont pas, en tout cas, dans la thérapie génique. Dans la plupart des pratiques imaginées aujourd'hui, pour être prudent, dans la plupart des pratiques imaginées aujourd'hui de thérapie génique, bon, il y a des aspects d'eugénisme aussi. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a des aspects d'eugénisme, par exemple, et ils existent dès aujourd'hui. Vous savez que les assureurs, par exemple, en Californie, dès aujourd'hui, exigent que l'on fasse la carte génétique la plus totale possible de l'enfant à naître, qui n'est pas encore né. Et par conséquent, s'il y a des défauts qui apparaissent, à savoir que l'enfant, n'est-ce pas, pourrait avoir, par exemple, un cancer à 35 ans, pourrait avoir une maladie coronarienne à 40 ou à 45 ans, eh bien, alors, ils refusent d'assurer. Alors, que font les gens? Ou bien, ils ont de l'argent. Et alors, ils vont payer eux-mêmes. Plus tard. Ou bien, alors, s'ils n'ont pas d'argent, s'ils sont pauvres, eh bien, l'enfant est condamné à mort. Mais ça, c'est une pratique eugéniste, nécessaire, inévitable, compte tenu de cette prétention des assureurs. Alors, ici, par exemple, là, il y a des obstacles qu'il faut peut-être dresser sur la route de ces pratiques. Par exemple, le comité d'éthique français a dit qu'en aucune manière, on ne pouvait autoriser les assureurs à exiger, ou les patrons, parce que vous imaginez, je parle des assureurs, mais c'est la même chose pour les patrons, n'est-ce pas, à exiger que la carte génétique complète soit donnée. Parce que ce serait un contrôle social excessif. Voilà. Donc, j'en suis arrivé à vous dire tout cela parce que la question était... autour de ça, oui. Voilà. Parfait. Allora, a questo punto concludiamo queste due sedute, no? Queste due sedute della giornata, questa mattina e oggi pomeriggio. Domani avremo... proseguiremo fino a domenica. Quindi sempre con nuove forze e nuova lena, con altri dispositivi. E quindi diciamo che alle 7:30 è la cena, quindi va bene. Grazie, arrivederci. A domani mattina alle 9:30.